Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Journal de Radio Maria Lubumbashi, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Tout de suite, voici le sommaire. Poursuite ce mercredi à l'archevêché de Lubumbashi de la 60e Assemblée plénière ordinaire des évêques, membres de la SENCO. Dans ce journal, nous vous ferons le point lors du lancement des travaux débutés le lundi dernier, signalant que des nouvelles têtes participent aux travaux de cette Assemblée, c'est notamment les secrétaires généraux des évêques. Célébration ce mercredi de la fête patronale du Sacré-Cœur de Jésus à l'école primaire Tangoapo 1 et 2. Cette école, qui a connu la politique mobutiste de la zaïrianisation, fait partie des premières écoles des indigènes appartenant aux Sœurs de Charité de Jésus et de Marie. Et puis une dizaine de jeunes non autrement identifiés ont été arrêtés par la police lundi dernier à Kasumbalesa, ville frontalière située à 90 km de Lubumbashi. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public le dimanche dernier lors d'une visite des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle. Mesdames, Messieurs, ce journal vous est présenté par Nelly Kabena, votre servante au bout du micro. Willy Kalombo est mon complice du côté de la baie vitrée pour manipuler les consoles. Bonne condition d'écoute. Ouvrons ce journal par cette nouvelle du Vatican, fausse ouverture. Monseigneur Ettore Balestrero ne sera plus le représentant du Saint-Père en République démocratique du Congo. Personnalité attachante, Monseigneur Ettore Balestrero est nommé par le pape observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève et auprès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle. Il joue également le rôle du représentant du Saint-Siège auprès de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM en sigle. La nouvelle a été annoncée ce 21 juin par le bureau de presse du Saint-Siège, rappelant que l'archevêque titulaire de Vittoriana avait été ordonné en 1993. Cet ancien élève de l'Académie pontificale ecclésiastique est entré dans le service diplomatique du Vatican en juillet 1996. Il a notamment travaillé en Corée, en Mongolie et aux Pays-Bas avant d'intégrer la secrétairerie d'État. Monseigneur Ettore Balestrero a été au cœur de l'organisation de la visite du pape François à Kinshasa fin janvier 2023, un premier séjour papal en RDC depuis celui de Jean-Paul II en 1995. Je le disais en titre, les travaux de l'Assemblée plénière ordinaire des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, se poursuivent ce mercredi à l'archevêché de Lubumbashi. Ces assises ont été lancées par le président de la SENCO en présence des administrateurs diocésains, du secrétaire de la CEAC, ainsi que des secrétaires généraux et adjoints des évêques, qui font d'ailleurs figure nouvelle dans cette Assemblée plénière. L'objectif essentiel de cette session est de considérer les tests qui requièrent le guide pastoral des jeunes, ainsi que se former et s'informer des mesures d'application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et le gouvernement de la RDC sur des matières d'intérêt commun. On écoute un extrait du discours d'ouverture avec le secrétaire Monseigneur Donatien Tchoulé. Nous allons, comme d'habitude, commencer par nous imprégner des événements de l'Église universelle et locale, ainsi que de la session socio-pastoral de notre pays. Suivra la présentation des synthèses des rapports des 12 commissions épiscopales. Nous recueillerons aussi les informations des structures centrales de notre Église, tant au niveau national que sous-régional et continental. Au cours de cette session, nous allons considérer certains textes qui requièrent l'approbation de l'Assemblée plénière. Il s'agit, entre autres, du guide de la pastorale des jeunes, du règlement intérieur de la SENCO mis à jour, des statuts de l'UFOD mis à jour, des statuts des OPM, ainsi que du guide de la protection des mineurs et des personnes vulnérables dans l'Église Famille de Dieu en RD Congo. Enfin,
Nous aurons quelques informations sur l'organisation et le fonctionnement de certaines structures et services de la CENCO, sur la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la RD Congo. Les Nations Unies lancent un véritable cri d'alarme face à la violence galopante et aux besoins humanitaires croissants en RDC. En une année, près de 3 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. L'ONU, qui dénonce la brutalité exercée par les groupes armés, groupes financés d'ailleurs par les puissances extérieures comme le Rwanda. Rosemarie Arroyo est politologue à l'Université autonome de Barcelone. Il est aussi spécialiste des médiations de paix en Afrique, entre Kigali et Kinshasa, par l'Union africaine, les États-Unis, le Qatar. Il explique pourquoi ces médiations ont échoué. Il est au micro de nos confrères de Vatican News. C'est essentiel de comprendre les racines historiques et culturelles de la région pour résoudre les conflits. Les pillages continuent et l'injustice sociale subie depuis la pression coloniale et post-coloniale. Les violences de la population locale contre les populations qui sont imprévues. L'instrumentalisation des différences ethniques par Mobutu, mais aussi par Kabila, père et fils. La pression et la concurrence sur la propriété foncière, les légitimes défis sécuritaires des pays voisins, notamment les Rwandais, la présence postcoloniale anglophone et chinoise grandissant face à la marginalité francophone progressive, dynamiques régionales et internationales liées non seulement à l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi à des dynamiques géopolitiques, où les Rwanda et des autres pays de la région jouent un rôle fondamental dans un monde globalisé où des grandes puissances comme les États-Unis et la Chine rivalisent pour atteindre leur territoire d'influence. Un monde globalisé qui a entériné la recette du modèle d'État libéral pour résoudre les problèmes du Congo, mais qui ne les fait pas résolus, comme en témoigne une fois de plus cette énième escalade de la violence. C'était Rosemarie Arroyo, politologue à l'Université autonome de Barcelone et spécialiste des médiations en Afrique. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle dans les conflits célébrée le lundi dernier, le souverain pontife a sur son compte Twitter, Acte Pontifex, invité à ne jamais se lasser de dire non à la guerre et à la violence. Ces appels attirent l'attention sur un phénomène croissant, mais peu étudié. Dans ce studio, Déborah Mwangé nous rend cet élément du souverain pontife. La violence sexuelle utilisée comme arme de guerre est malheureusement une réalité très répandue. Nous devons dénoncer ces crimes honteux et ne jamais nous lasser de dire non à la guerre, non à la violence, a fait savoir le pape François dans un tweet divulgué lundi dernier. Pour le souverain pontife, il faut non seulement rejeter la guerre, mais aussi les abus sexuels qui l'accompagnent souvent. Le souverain pontife cite pour preuve les conflits en cours en République démocratique du Congo. Pour la seule année 2021, l'ONU a rapporté 4600 cas de violences de droits des femmes. Il y a 3 mois à peine, grâce à l'ambassade britannique près les Saint-Sièges et à l'Union mondiale des organisations des femmes catholiques, une conférence internationale a été organisée pour sensibiliser sur ces phénomènes croissants et souvent négligés, celui de la violence à l'encontre des femmes, mais aussi des enfants dans les conflits. Le Saint-Père reste toutefois préoccupé par la situation des survivants des violences sexuelles dans les conflits de chaque enfant et adulte blessé. Il ajoute, je cite, « Dieu manifeste sa compassion et répète les paroles du prophète Isaïe. Vous êtes précieux à mes yeux, car vous êtes digne d'estime et je vous aime. » Fin de citation. Alors que les violents vous traitent comme des objets, le Seigneur voit votre dignité, a souligné le pape François. Clôturons ce registre avec cette visite à l'archevêché de Lubumbashi d'une délégation des magistrats et avocats membres de CEMABAC, entendez, consortium des magistrats et avocats baptisés catholiques de Lubumbashi. Ils sont venus présenter leur civilité aux évêques membres de la CENCO et par là sensibiliser ces évêques sur la mise sur pied dans leurs diocèses respectifs de ce consortium. On écoute le rapporteur de CEMABAC, Frédéric Kenge Kitenge, au micro de Jean-Claude Kazadi. Notre participation, c'est à travers nos activités au quotidien. Nous, comme des professionnels de droit, si l'archidiocèse a des problèmes en justice, nous pouvons réfléchir ensemble, voir comment certains membres du consortium peuvent aller défendre les intérêts de l'Église, d'une part.
Et d'autre part, s'il y a des vulnérables, de veuves, des orphelins, de veuves et tant d'autres personnes qui ont besoin d'assistance judiciaire ou juridique, le consortium est disponible. Notre grande vision, c'est lutter contre les antivaleurs, mais par la profession de notre foi comme chrétien, parce que nous sommes des professionnels, nous sommes des magistrats et des avocats. Nous devons rayonner dans nos professions respectives. Il faudrait que les gens qui ont soif de la justice puissent s'identifier à travers notre manière de nous comporter. Nous devons lutter contre la corruption. Bref, lutter contre les antivaleurs dans nos milieux professionnels respectifs. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion, bienvenue à cette deuxième partie du journal où la célébration ce mercredi de la fête patronale du Sacré-Cœur de Jésus à l'école primaire Tango Apo 1 et 2. Cette école qui a connu la politique mobutiste de la zaïrianisation fait partie des premières écoles des indigènes appartenant aux Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie. D'ailleurs, elle ouvre dès l'année prochaine son centenaire, nous dit Déborah Mwangé dans ce reportage. Cette fête patronale a été décalée de 3 jours pour se conformiser au calendrier scolaire qui prévoit les examens de fin d'année scolaire, nous a indiqué la directrice de l'école Sœur Florence Bolingo. Pour sa part, M. l'abbé Antonio Godefroy Moulenda, le chargé de la vie scolaire et spirituelle, a expliqué aux écoliers l'essence de cette célébration eucharistique qu'il a présidée au sein même de l'école Tango Apo. Célébrer le Sacré-Cœur de Jésus, c'est palper l'amour de Dieu, l'amour de Jésus envers le monde, envers nous les humains. On peut même dire vraiment que c'est la théophanie du cœur de Jésus. Rappelons d'emblée que Épée Tango Apo 1 et 2, une des premières écoles œuvre des Sœurs de Charité de Jésus et de Marie, elle fêtera ses 100 ans dès l'année prochaine, un appel à contribution aux personnes de bonne volonté. Une école des filles indigènes qui était la première école, une vieille école qui va totaliser 100 ans d'existence. Nous profitons de cette occasion de lancer à toutes les anciennes écolières se trouvant à Lubumbashi et ailleurs, à nos autorités politico-administratives et religieuses. Nous supplions de nous aider financièrement pour que nous puissions réussir cette grandiose fête centenaire. Ça sera le 24 octobre 2024. Rappelons que l'épée Sacré-Cœur de Jésus, Tango Apo, qui signifie jadis en français, a subi la politique mobutiste de la zaïrianisation, à savoir une nationalisation progressive des biens commerciaux et des propriétés foncières qui appartenaient à des ressortissants ou groupes financiers étrangers. Pour sa part, l'épée Kissima II, œuvre des sœurs Simco, congrégation des sœurs du cœur immaculé de Marie de Congolo, a célébré ce mercredi une messe d'action de grâce en vue de clôturer l'année scolaire 2022-2023. Au cours de cette célébration, une dizaine d'élèves ont reçu leur sacrement de baptême et de l'Eucharistie. On écoute sœur Marie-Thérèse, qui est directrice de Kissima 2. Elle est au micro de Jean-Claude Casadi. Partant de cette messe, comme on organise aussi la formation des jeunes, il y a eu une fille qui a eu son baptême, le sacrement de baptême, et 7 qui ont eu le sacrement de l'Eucharistie. Donc, comme notre charisme, nous sommes là non seulement de l'éducation, on est là aussi pour former les enfants, l'évangélisation. Donc, on s'occupe de l'éducation, l'éducation morale ainsi que spirituelle. Donc, cette messe avait comme but rendre grâce. Donc, c'est une messe d'action de grâce pour les bienfaits reçus au courant de l'année scolaire. On en sait un peu plus sur ce qui s'est passé le dimanche dernier au poste frontalier de Kasumbalesa. En effet, un groupe de jeunes non autrement identifiés ont brûlé deux pneus, barrant ainsi la route aux évêques partis en visite à la frontière. La police qui a mis la main sur une dizaine d'entre eux indique que les enquêtes se poursuivent. Déborah Mwangé.
Pour la police, ces inciviques n'avaient sur eux aucune pièce pouvant les identifier. Pour l'heure, elle poursuit les enquêtes pour savoir s'ils sont citoyens congolais ou zambiens, vu que les troubles se sont déroulés à la frontière avec la Zambie. Cependant, notre source rassure sur les dégâts. Ces jeunes ont brûlé des pneus sur les routes. Ils ont caillassé quelques véhicules et blessé quelques éléments de la police. La nouvelle a également été confirmée par le vicaire général au diocèse de Sakanya-Kipushi, Mgr Gaston Kibilo, ne veut cependant pas alarmer la population vu qu'aucun dégât n'avait été compté du côté de la délégation de la CENCO partie visiter la frontière douanière de Kasumbalesa. Pour rappel, les évêques de la CENCO visitent quelques paroisses et sites touristiques de la province du Haut-Katanga depuis la clôture du 3e congrès eucharistique national. Ce journal est complètement fini. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de Radio Maria qui a contribué à l'ouvrage que nous vous avons présenté. Merci à Willy Kalombo qui nous a mis en onde et surtout merci à vous pour nous avoir écoutés.